Salut tout le monde, bienvenue dans le 23e épisode de Track D. Et bien aujourd'hui, la première voiture que l'on va aborder est une voiture routière. Et j'ai choisi le tracé d'Imola parce que je pense que c'est un circuit sur lequel cette voiture peut s'exprimer. Au-delà de la prendre bien sûr sur le classique Nürburgring, il s'agit de la Golf 6 GTI. Alors la Golf 6, elle a été produite depuis 2008, c'est sa 6e génération. Elle a existé aussi en version cabriolet, enfin il y a plusieurs déclinaisons, il y a énormément de versions moteur, de versions diesel, essence, enfin bref, il y a beaucoup de puissances différentes. Ici on a le modèle qui développe à peu près 235 chevaux. Donc c'est une boîte à 5 ou 6 rapports selon le choix de votre puissance moteur, et elle fait un peu moins de 2200 kg, ce qui fait un très bon rapport poids puissance pour cette petite allemande. Elle est dispo aussi en 3 et 5 ports. Dans ce cas-ci, donc c'est la GTI, donc elle est en 3 portes. J'ai opté pour une couleur plutôt grise, hein, qui je trouve va très, très bien avec la bande rouge qui est dans la calandre, qui donne vraiment un look très agressif à la voiture. Le mode est plutôt bien fait, il faut être sincère, l'intérieur est très... très cosy, il n'y a pas trop de détails qui choquent, pas d'aliasing, pas de texture grossière. Vraiment, c'est un mode. Bien, la voiture est en mode 1.0, je crois. C'est sincèrement une voiture qui est intéressante à piloter. Si vous devez choisir une routière à piloter dans Assetto Corsa, eh bien, je vous conseille donc de vous rendre dans la description de cet épisode pour trouver la voiture donc qui est disponible pour Assetto Corsa. Vraiment un mode intéressant si vous aimez les routières et si vous aimez faire des courses entre potes de voitures de route. Si vous aimez drifter également, la voiture qui a un comportement très intéressant avec un blocage rapide, notamment à l'arrière des roues qui se soulèvent, un châssis très rigide, un petit peu comme on peut avoir avec certaines touring cars. Donc vraiment un comportement sympathique et assez atypique. Voilà, bien écoutez, je vous laisse profiter de la démonstration de cette voiture sur le tracé d'Imola avec quelques plans embarqués, et profitez bien du son. Salut !